continue aujourd'hui mes tests avec le Kérou 2. Un petit père. On voit bien le segment Strava avec le profil de dénivelé là. Bon là je suis devant mon PR de 5 secondes. Devant moi il y a le com à 36 secondes. Je suis toujours devant mon précédent PR. Voilà, PR. Donc là-dessous, il m'affiche le profil, le dénivelé, sur les 5 prochains kilomètres. Légère montée, des petites descentes. Ça monte doucement, c'est quasiment plat. Bien sûr, le Kérou 2 n'ajoute aucune nouvelle fonctionnalité par rapport au Garmin, mais c'est juste l'interface qui change, l'ergonomie. Et pour moi, c'est beaucoup. Il y a des choses que je ne faisais même pas attention, j'imagine, avec le Garmin. Là, ça me semble tellement évident. Alors, c'est vrai que le tactile apporte quand même quelque chose par rapport au 530 qui n'était pas tactile. Il faudrait plus le comparer au 830. Mais après c'est vrai que quand je vois l'interface du Garmin, ça reste vieillot. On a l'impression qu'ils ont ajouté des fonctionnalités au fil du temps sans repenser à l'interface. Et c'est ce qu'a réussi à faire Kérou. En fait, en arrivant de la page blanche et en imaginant quelque chose de vraiment différent. Alors, la connexion Wi-Fi est vraiment top. J'ai connecté donc le Kérou 2 à ma box. Et donc, dès que j'arrive chez moi, j'ai la synchronisation qui se fait avec mon compte Hammerhead. Donc, je retrouve mon parcours dans le dashboard et quasiment instantanément j'ai dans Strava l'upload de mon parcours. Ça se fait tellement vite. Dans l'autre sens, je vais dans Strava par exemple et je sélectionne par exemple les segments que je souhaite importer, enfin en les mettant en favori. Et là aussi, c'est quasiment instantané. J'ai l'upload des segments qui se fait à une vitesse folle. Chaque fois que je suis surpris. Donc ça vient du Wi-Fi aussi, ça n'a rien à voir avec le Bluetooth. Là, j'ai une petite pente à 7%. 8. Il y a 9 sur la fin. Un peu plus peut-être, 9, ouais, 9 ou 10, là 10%, c'est pas fin. Et là, nickel. Bon, pas trop tard aujourd'hui, je suis à 2,15 et mon précédent temps était à 1,46, donc je suis loin. Donc là, ils viennent m'enregistrer un deuxième lap. On va aller voir les laps. Hop, il y a le chemin aussi. Ah. Rien que ça, il n'y a pas d'équivalent en termes d'ergonomie d'un Garmin. Voilà. Donc là, on voit les temps mis dans l'argent. J'enregistre donc, comme je disais la dernière fois, des laps automatiquement tous les 5 km. Donc là je vois, j'ai passé 18 minutes dans le premier lap. C'est les premiers 5 km.
Et là, je suis à 20,52, c'est le deuxième. Avec une moyenne à 16 km/h sur le premier. Et là, je suis à 14,4 sur le second. La vitesse max sur le premier lap était de 50,1 km/h. Voilà, là, si je veux avoir des le dénivelé par lap, donc le premier qui a 48 mètres de D+, et le second 101 mètres de D+. Sur le premier lap, j'ai eu 130 de pulsation en moyenne, et sur le deuxième, alors que j'en montais un peu plus, j'ai 122 en moyenne. Le max était quand même sur le deuxième lap à 155 pulsations. Alors j'ai rajouté des écrans. Vous voyez, celui-là qui affiche l'historique du dénivelé sur les là j'ai 10 km. Voilà, première petite descente de chez moi. La montée juste après. Et ici j'ai mis les pulsations cardiaques. Donc là je suis à 116. En haut j'ai la moyenne à 125 et en bas j'ai le pourcentage de temps passé dans chacune des zones. Donc là je suis plutôt dans du vert, hein. Pas très fatigant. Et donc j'ai la fonction climb qui s'est activée, donc avec une pente moyenne à 4 pour commencer, la pente passe à 6-7 dans le deuxième segment, tronçon, 7-1 dans le troisième tronçon et 4-5 dans le dernier. Je suis à 7% de pente, 8, 9, 10, 11, 12, 13, allez, 13, 5, à 14 quand même celle-là, à 14 c'est la fin. Alors je continue à enregistrer, je vais dans profil, je vais basculer sur la VTT sans trace par exemple. Voilà. Et voilà. Donc là je me retrouve avec les écrans du profil VTT sans trace, donc sans le dénivelé. Et j'ai deux écrans seulement. Voilà. Je rebascule avec la VTT avec trace. Hop. Voilà, je retrouve mon dénivelé et mes écrans. Bon, je vais vous montrer une fonctionnalité que j'adore sur le Kero 2, c'est celle-là. Donc là, je vais rajouter un point de navigation, très simplement. Donc là, on voit le lac qui est ici. Voilà. Et je vais aller ici. Moi, je mets le petit point ici. Je valide. Et il me propose d'y aller. Voilà. Donc il a calculé une trace provisoire là. Jusqu'au mon point de navigation. Je suis le tracé temporaire. On verra par où je peux passer. Est-ce qu'il peut passer par vraiment les petits chemins? Voilà.
Ah, ça marche bien. Et voilà. Là aussi, ça existe peut-être sur Garmin, mais c'est le genre de truc que j'ai jamais pu faire. Là, il affiche en rouge un tracé de pour revenir au parcours initial automatiquement. Vous voyez le parcours initial qui apparaît avec des flèches là. Deux PR, c'est le même segment, la même journée. Oula, 39 secondes de moins quand même. Père. 124 pulsations en moyenne. En ce moment, une fréquence cardiaque de 134. Et je vois que je me situe plutôt dans le vert, au niveau des zones. L'historique du dénivelé. Là, je suis à 14,7 km de moyenne. La consommation, je suis à peu près à 10% par heure de fonctionnement. Donc une autonomie largement suffisante pour les sorties VTT que je fais. Là, je fais une sortie de 2 heures. Et il me reste 80% là. On attaque une petite montée. On va arriver à la maison.